C'est la pince qui a pété ou c'est le boulon? Le boulon. Ouais. Oh, les bandits. Un deuxième coup? Non. Ouais. Je peux t'en faire un deuxième hein, si tu veux. Ben attends, le problème c'est qu'il tombe pas ce con. T'es obligé de sortir des deux côtés. Ah bah attends, bouge pas. Et je te recoupe un coup. Vas-y, t'arrives là, tu passes. Ah, décale un peu le bateau. Faudrait le faire de l'autre côté. Ah ouais. Je vais mieux. Bon, vous avez vu les gars, pour voler mon bateau. C'est pas compliqué. Il faut avoir le coupant par contre. Tu arrives ou pas? C'est dur. Oh là là là, le carnage. Ça y est, c'est bon. Gagné. Et je vais pas faire de pub. Hein. Brico-dépôt. Allez, on y va. Opération poubelle. Tu sais ce qu'il va te dire. Ouais. Les vidéos de bikini vont pas s'enrichir avec ça. Non, à mon avis, il a plus la caméra que la femme. Hein? Ça, je crois qu'il a jamais eu celle-là. Non. Bon, allez, on va retrouver sur YouTube avec mes conneries, moi. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais. Oh, bien joué. Bonjour. Il reste tout le temps, faut pas la prendre en photo, là. Toute la journée, vous seriez en train de la prendre, là. Hein? T'es tout seul. Ouais. Ouais. On va faire l'inventaire dans le bateau quand même, parce qu'avec des bandits pareils. Ouais, c'est bien ce que je dis. Il aime plus sa caméra que sa femme. Je le redis, je persiste, je signe. Ça a failli là. Je filme là et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bah oui, elle a failli tomber à l'eau. Rien ne t'a fait tomber à l'eau en plus. Et bonjour. Ça va? Ouais. Non, mais moi, j'ai un peu... Ouais. Et je suis devant toi. Non, c'est pas un livre. C'est hier, hier soir, il y a un livre de loin. Souvenirs, ah oui. Parce qu'on en a fait un paquet. Donc allez-y,
choisissez, vous piochez. Ça prend combien de temps d'en faire un? Les mettre autour des poignets, tu vois. Oh, 3 jours. Ça prend combien de temps? Hein, ça? 3 jours. Non, ça. Non, en après-midi, je faisais ça. Non, moi, je prends l'orange. C'est vrai que oui. Mais par contre, non, je ne mets aucun bijou pour naviguer. Ouais, j'enlève tout. Celui-là, je ne devrais pas le mettre. Je mets que la. Ouais, j'ai que mon alliance. Sinon, j'enlève tout. On ne sait jamais. Tu t'accroches à un truc. Mmh. Toi, tu vas prendre du rouge. Ne te trompe pas, hein. Choisis le bien. Ouais, m'applique. Moi, je reste dans les gants. Ah, quoi qu'il y avait un orange violet. C'est couleur Jamaïque, ça, non? Ouais. C'est un fumeur de la kick. J'ai plus qu'à laisser pousser les rasta. Alors là, bon, j'y crois pas trop. On va essayer de faire un peu de gasoil, là, s'il n'y a pas trop de monde. Un gasoil, et puis après, on va peut-être faire un mouillage, alors. Vers soit la Badine, ou Porquerolles. Porquerolles, les mouillages. Il y a trop de monde, Porquerolles. Bon, la Badine alors. Mouillage à la Badine. Et où il y a la moins de profondeur. C'est un puits sans fond. Il me restait un petit peu d'argent, je crois qu'il ne va plus rien me rester. Nous voilà partis. Alors, quel est notre petit programme? Direction la Badine. D'accord. Il ne faut pas passer le cap Sissi avant vendredi. Ouais, on va éviter. Donc on va rester à la Badine 2 jours. D'accord. Mouillage, pas trop profond pour pouvoir, en cas de pépin avec le guindeau, remonter l'ancre facilement. Ouais. Plus ou moins facilement. Ouais. Tiens. Ah ben voilà. Très bonne journée, à bientôt. Bonne fin de saison. Quand on parle du loup, t'as vu ça un peu, c'était asynchrone. C'était. Qu'est-ce qu'il est poli, Serge, à la radio, hein? Bonne fin de saison, merci beaucoup et on vous adore. Bisous. Bisous. Could go on forever.
voilà au mouillage à Labadine. C'est pas la première fois qu'on y va. Bon, avec notre petit problème de gain d'eau, on essaye de se mettre assez près, mouillé par peu de profondeur. Bon, mais maintenant on va faire une petite baignade. Ça manque ça. Mon eau, toute mon eau qui s'en va. Mon eau. Et maintenant, on va recevoir à l'apéro et à manger certainement des amis, hein. Les voilà d'ailleurs. Bienvenue. Allez. Et voilà. Encore nous? Oui. Vous ici? Oui. Très bien. Bien. Tout va bien. Bonne nappe? Ouais. Tranquille. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Oh putain, l'annexe, elle est partie. Ça va? Ouais. Et vous, Captain? Oh, petite sieste. Je peux faire la canne à pêche, je vais peut-être pêcher de nuit, hein. Enfin de nuit. C'est vrai? Ouais. Là, ça traîne. Oh. Bah, là j'avais fait du poisson. Et ouais, je lui ai dit tu pêches ce soir, hein, je sais pas. J'ai rien comme apport, mais on va voir. Donc je dis que t'avais pris. Il avait pris une belle dorade. Ah t'as essayé là? Non. Ah, je, non, de nuit au bouchon lumineux. Ah oui, tu vas essayer. D'accord. Chin. 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 Quand tu pars sur un championnat du monde, c'est deux semaines, les individuels et par équipe. On peut du temps aménager. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là que la Fédé, elle devait aussi faire reconnaître. Parce que tu sais, on revenait. Nous, on se marre. Hein. Ils sont sérieux. Ouais, je pense, j'espère que ça a évolué depuis. Alors attends. Demain matin, je vais peut-être mettre mes baskets et aller courir 10 ou 15 bornes. Tu les as prises, tes baskets? 10 ou 15 bornes. Elle me les a prises pour que j'aille courir. J'ai pris oui, et tu l'as sorti combien de fois? Ah, oui. Ah jamais? Non, c'est en attente, on n'a pas eu le temps. Oui, on n'a pas eu le temps. Bah, parce qu'au au port de Cavalaire, t'aurais pu. Je pense que ouais. J'étais trop fatigué.
La pétanque, les apéros, on peut pas tout faire. Ce sera un menu poisson demain. Donc sardines. Menu poisson. Faut pas avoir faim, tu vas voir. Sinon j'irai En courant. Non mais si tu me diras demain matin à l'aube. Ah non mais tu me diras ce que t'as pêché. À 2h du matin je t'appelle pour t'expliquer mon. Voilà. Comment on appelle ta pêche. Ma pêche. Mais pourquoi mais finalement tu aurais dû venir avec la canne, déjà commencer à pêcher. Oui mais il faut que je sois concentré, je peux pas me concentrer avec lui. Bien parce que son annexe est sortie, il va venir cette nuit, il va venir filmer. Oui, il peut venir. Non. Non, non, il faut que je me repose. Ah oui, pour toi aller courir demain matin. Après, il faudra que je vais faire une petite plongée pour tester ma bouteille aussi. Hein. C'est du foie de morue. Foie de morue. Ah, j'adore. Ah, c'est bon. Hein. C'est bon pour la santé aussi. Oui. Très bon. Bon, bah, vu ce qu'il reste, je vais le finir. Ouais, bon, oui, vas-y, vas-y. D'accord, merci. Et encore un. Bah, bonjour le partage. Bonjour le partage, c'est ça, je vais manger l'huile. C'est très bon, l'huile de foie de morue pour les intestins. Bah, moi, je prends une petite cuillère, il n'y a plus que de l'huile. Mais l'huile de foie de morue, il paraît que c'est très bon. Oui. Je sais pas pourquoi, oui, mais oui, bon. Oui, oui. Mais ça, c'est quand on est malade. Oui. Non, moi, je pense que c'est pas pour... Est-ce que c'est préventif aussi? Je peux pas dire pourquoi c'est bon. Je lui explique que j'adore ça. Il en reste un peu. Bon, mais il en reste un peu qui en veut, machin. Bon, personne n'en veut, elle se lavale. Il n'y a plus que de l'huile. Oui, mais moi, j'ai fait 2 mouillages. Alors, c'est fatigant. Moi, je suis comme Pascal, il faut que je me repose. Moi, je vous le dis. C'est pas facile tous les jours. Parce que nous, on est nés tous les deux à la même date. Donc nous, on est à peu près pareil. Ah oui, c'est vrai, en plus. Voilà. Donc, quand il est fatigué, je suis fatiguée. C'est rien, ça, c'est ça. Tu es pas né le 9 août, toi. Non, elle est novembre. Je suis scorpion. Ah, non, nous on est taureau, attention. Ouais. Nous on est têtu. Ouais, bon, ouais, mais le roi des animaux, c'est quand même le lion. Hein. Ça a toussé en bas. Ouais, non, mais. C'est normal, il y avait la fumée de la cuisine. Ne t'en fume pas, hein. Effectivement, sont en danger de santé. Et puis, du café. Ok, je te fais ça de suite. Thank you.
Allez, ouais. Non, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Donc, hier, j'ai pris mais un mini poisson. Il s'en est servi comme un pas, mais. Ouais. T'as fait un gros dodo ? Ouais, oh. Je... Et là, nous, on est allé jusque Bandol. C'est ça. Et on est revenu. Non. Bon, ok. Ah, je retourne chez nous ce soir. Ok, d'accord. J'amène le dessert. Ah, on va manger ton gâteau. Oui, oui. Et moi, j'ai fait des. Comment ? Un smoothie. Voilà, mais smoothie, c'est pas grand-chose. De bikini, nous allons suivre la recette de Marie-Cécile sur le bateau Ivresse du gâteau de pain qu'elle nous a fait à deux occasions et qui est une excellente idée quand il nous reste du pain dur sur le bateau et pour éviter de jeter, et ben on transforme ça en gâteau. Donc je vais suivre pas à pas la recette en suivant mon écran. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. En direct d'Ivresse, petit tuto pour un gâteau de pain en navigation pour 6 à 8 personnes que je vais faire dans un plat Tefal, une espèce de poêle Tefal parce que je n'ai que ça. Voilà, donc les ingrédients. Il nous faut du pain sec, des œufs, du sucre, 100-120 grammes, du lait, du rhum et des fruits. Les fruits, donc les pêches, je les pèle. On peut mettre des brugnons que je ne pèle pas ou des reines claudes. Ça, c'est un peu acidulé, c'est très très bon. Et j'ai une amie qui met des pommes et des raisins secs. Des abricots, ils sont déjà bien mûrs. Il n'y en a que 4, tant pis, on fera avec. Un petit gâteau. Ben, ok, le petit gâteau, d'accord. Il sera quand même dans un grand moule rectangulaire. C'est bien. Que j'ai beurré parce que c'est pas Tefal. On prend pas de risque. Alors, je me suis lavé les mains. Alors, dans un premier temps, il faut prendre un peu d'avance et faire tremper le pain, comme je l'ai fait là, tremper dans de l'eau. Alors, parce que j'ai peu de lait, donc pour éviter de manquer de matière, j'humidifie mon pain avec de l'eau et une fois qu'il est bien mouillé, bien humide, je l'essore et après je le mets dans mon plat et je rajoute le lait. Ça fera un beau gâteau. Tremper le pain. Là, il faut attendre un petit peu maintenant parce qu'il faut, pouvoir l'essorer. Là, avant qu'il soit essoré, il faut qu'il imbibe. Je vais préparer mes haricots, les couper en petits morceaux en attendant que le pain imbibe.
le pain. Il va sans dire qu'avant, je me suis lavé les mains. Voilà, le pain a été trempé dans de l'eau et essoré. Maintenant, j'allume mon four pour le préchauffer. Bon. Alors, maintenant, opération allumage du four. Je fais le reste de mon gâteau. Donc, je rajoute du lait. Bon, un petit peu à vue de nez, hein, je mesure pas trop. Je vais rajouter mon sucre, mes œufs et je mélange le tout. Voilà la consistance. Donc surtout ne rajoutez pas de farine parce qu'elle est déjà inclue dans le pain. Donc maintenant, ça c'est bien mélangé. Je rajoute du rhum. Ah oui, une bonne rasade, hein, c'est une important. Une bonne rasade parce que l'autre fois c'était pas assez imbibé, d'après les amis qui ont mangé dernier gâteau à la Reine Claude. Voilà. Bon, c'est déjà assez liquide. Alors, les pêches sont pelées, coupées en morceaux, dénoyautées bien entendu. J'ai pas mis de gras sur le plat parce que comme c'était fade, ça n'accroche pas. Je verse ma préparation dans le plat. Je remue bien pour mélanger le jus de la pêche et tous les ingrédients. Et je vais mettre au four. Et moi j'ai un vieux four antique, n'est-ce pas, avec seulement des feux en bas. Donc il va cuire une heure environ. Voilà. Parfois il est un peu gratiné sur les côtés. Mais... Et voilà, c'est enfourné. Je laisse un peu fort et puis je baisserai dans une demi-heure à peu près. Il est 11h05, à midi, c'est cuit. Mais c'est pas pour ce midi. Et maintenant, Estelle. Mais elle le dit pas dans son tuto qu'il y a de la vaisselle. Ce soir on pourra le manger. Te brûle pas, hein? Oui, c'est cuit. Ça sent bon, hein? Voilà Marie, le gâteau signature de Marie-Cécile, le gâteau de pain aux abricots. Enfin, aux fruits, pour moi, si vous avez. Bravo! Allez, une bière, tiens, je vais changer. Aujourd'hui, c'est fête. Moi, pareil. Tu préfères une Pietra ou une Goudal? Ça te ramener un souvenir de Corse. Même pas, je l'ai acheté à Cavalère. Ah bon? La Pietra. Comment?
en Corse, mis à part quand on allait boire un verre en terrasse. Là, on n'a même pas vu de... J'avais pas de pietra. Comme on de la bonne stock pietra. De l'EF, on a... Tu l'as mis dans un verre rose de fille. Bon, ben allez. Chine. Chine. Ouais. Chine. 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 Ah, ça y est. Il y a partout. Des moments où on devrait filmer en permanence. Ah, putain, ah, t-shirt tout propre, tout neuf. Ça fait oh, trop tard. J'ai loupé ma bouche. Ah, c'est pas ça que... Ah ouais, ouais. Nous, ça nous arrive jamais. Ah non. On va pas louper la bouche, hein. Tu vas refaire des bêtises encore. Là. Je peux attendre un verre plus épais, donc j'ai un peu plus vieux. J'ai même pas de paille. Ça va aller. On va goûter ton gâteau. Oui, il est bon. Allez, on se fait la bise. Au revoir. On se fait la bise, c'est ça? Non, je sais pas. Au revoir. Et on était contents de vous revoir, de passer nos derniers jours finalement avec vous. Allez, on va. Bon retour à vous. Là-bas, il y a l'explorateur.